Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% gameplay découverte sur le jeu Fall Guys Ultimate Knockout. C'est un jeu qui va sortir le 4 août 2020 sur Steam pour 19,99€. Il est actuellement en version bêta fermée, donc il faut être sous invitation. À l'heure où je fais la vidéo, il y a plus de 5000 joueurs en ligne simultanément. Donc je trouve ça très intéressant. Il s'agit d'une sorte de battle royale à la Takeshi Kitano, pour ceux qui ont connu les jeux télé-réalité japonaises dans les années 90, qui avaient été retransmis en France, je crois, sur des chaînes diverses et variées. Donc en fait, on va être 60 joueurs sur plusieurs terrains. Voilà, comme celui-là par exemple. Il va falloir qu'on fasse une course aux obstacles et qu'on arrive en premier à chaque fois. Donc plus on avance, plus il y aura des déminations, etc. J'en suis à beaucoup d'essais sur cette vidéo, je vais pas vous mentir. Donc oui, le concept d'une vidéo 100% gameplay, c'est qu'il y a un seul rush, pas de cut, rien du tout. C'est vraiment pour vous montrer la totalité d'une game. Et on est parti. D'accord. D'accord, ok. D'accord, ok, j'ai été propulsé par chance. D'accord, clic gauche. Ça pas clic gauche ça. Ça pas bon ça. Ça pas bon ça quand t'es dans cet engrenage là. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. C'est très compliqué, j'ai du mal à faire la vidéo. J'aimerais faire quelque chose de qualitatif. Ça c'est pas grave, à la limite. Ce que j'aimerais au moins est passer à la troisième étape en fait. C'est tellement... Voilà, ça c'est bon. Allez, c'est la première fois que je fais cette épreuve là. Ah bah là je me fais pas respecter. Ouais, on va tenter, hein. Patate de forain, c'est terminé. Ah bah je suis très très loin en fait. On va passer. Je suis têtu moi. Mais ça saute, d'accord, ok, j'ai même pas sauté. Non mais ça c'est pas gentil ça. Voilà, on est pas mal. Donc là on arrive à la ligne d'arrivée, tout le monde qui troll. Et moi je saute. Voilà, 35e sur le 45. Super, j'ai réussi à la première étape, c'est très compliqué. Donc là vous entendez mon chien gueuler, c'est normal. C'est les aléas du presque direct. Donc du coup, j'en profite pour dire abonnez-vous, commentaire, pouce bleu pour la chaîne. C'est grâce à vous que ça me donne envie de continuer, même si là c'est l'été, il fait très chaud, j'ai un peu de mal à sortir des vidéos. Je travaille sur des nouveaux concepts, je vais bientôt me mettre sur l'airsoft, voilà, en plus des jeux vidéo, etc. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, très important aussi, on va faire vivre tout ça, on va créer une communauté avec l'association Balle au cul, que vous connaissez très bien d'ailleurs, rejoignez-nous sur Discord. Mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne si vous regardez cette vidéo, c'est très important et très soutenant, je vous remercie mille fois en tout cas. On va donc passer tout de suite à la deuxième étape, donc là on est un peu moins maintenant. Franchement, le jeu est vraiment plaisant, j'adore, c'est vraiment très kiffant, c'est stressant, c'est chiant, c'est angoissant, j'ai envie de le... Tu vois, mais on se retient et on joue tranquillou. Voilà. Évite les portes. Ah, qui se ferme, il y a quelqu'un. Ah, celle-là. J'ai fait une fois. Allez, bonne chance à moi pour sortir une vidéo qualitative, sinon on s'arrêtera là, tant pis. Alors, du coup, on va continuer. Yes, je suis passé à l'extrémis. On va passer là. Voilà. Toujours, hein, c'est la stratégie du la porte. Ah non, ah, ça c'est pas gentil. Ça. Ouais, c'est la technique. Alors le clic droit pour le plongeon, très important. Faites-le bien souvent. Voilà, vous voyez un peu, ça me sauve un peu. Yes! 18e sur 33 ou 16e, je sais pas, ça devait jouer à un poil de mammouth. Du coup, je passe pour la troisième épreuve. Donc là, vous voyez, avec Q et E, vous pouvez changer de joueur. Donc là, la manche était un peu plus courte que les précédentes. Donc là, bah, Locu Tom Fury est là. Vous appuyez sur table, voilà. Donc là, on voit ceux qui tombent. Voilà. Donc, je pense que ça va être plus compliqué de faire un top 1 sur ce jeu que de faire un top 1 sur Warzone. C'est clairement ça ce qui va se passer. Alors, du coup. Je crois que c'est la première fois que je passe à la troisième étape. On va voir ce que ça donne. Tout à l'heure, ça avait planté quand j'étais passé à la troisième étape, donc j'ai pas pu la faire. Le cœur commence à battre très fort. Voilà. On ment pas. Alors, utiliser pour attraper une queue, arrange-toi pour que. Voilà. Donc, pas du tout le temps de machin. Utilise Shift
Pour taper une queue, arrange-toi pour que ce soit ton équipe qui possède le plus de queues à la fin des temps de la partie. Ok, c'est super, j'adore posséder des queues. Donc alors, on va essayer de jouer en équipe. Donc, des équipes de 4, hein. 4 équipes de plusieurs. Mais comment on fait pour les prendre? Je sais même pas. Qu'est-ce qu'ils appellent une queue? Ah, ça là? D'accord, ok. En fait, il faut juste appuyer. Enfin, je vais essayer d'en scroller. Ah, bah, j'en ai appuyé qu'un, lui. D'accord. Clic gauche. J'ai fait clic gauche, ça a l'air de fonctionner. Donc, moi, j'en ai une. Il ne reste plus qu'à me protéger myself. Voilà. Donc, je vais essayer de camper un peu. Donc, là, ils essaient de me. D'accord. Voilà, pas mal, ça. Technique d'esquive ukrainienne, d'ailleurs. C'est en Ukraine qu'on utilise cette technique. Du coup, on est 5. C'est pas mal. Il y a un temps imparti. 52 secondes encore à tenir. L'équipe. Ok, patate de forain, deuxième patate de forain, marteau de forain d'ailleurs. Voilà, donc moi j'essaie de fuir. Donc théoriquement, si. Tac, voilà, donc ça. Voilà, j'ai fait un retour Windows sans faire exprès. Voilà. Là, je m'en suis pris une. Ah bah là, il y a un verre qui est passé devant moi. Mais bah, il veut pas monter. Hein. Ah, lui, il a trouvé un glitch, lui. Ok, donc il a compris. Alors lui, je vais faire lui. Ok, j'ai repris la mienne. J'ai repris la mienne, on est à 4. Je vais essayer de tourner en rond, hein. On va voir. Une seconde. Qualifié! Qualifié pour la quatrième game. C'est magnifique ce qui se passe. C'est du direct, c'est du presque direct. On n'est pas en direct, on est sur YouTube. Quatrième étape sur ce jeu. Est-ce que je vais pouvoir faire au moins un top 10? Il reste 24 concurrents. Donc en fait, il n'y a qu'une équipe. D'accord, donc c'est qu'une équipe qui est partie. Ça commence à monter. C'est la première fois que je monte à l'étape 4. C'était magnifique en tout cas, messieurs, dames. C'est du direct. Enfin non, c'est pas du direct, mais on y est presque. C'est du one cut. Il n'y a pas de montage. Il n'y a rien. C'est du... Voilà, je poste ça comme c'est. Saute au-dessus de je sais pas quoi. Ah d'accord. Donc là, ça m'a l'air d'être beaucoup plus simple. Je pense que là, tu tombes. Au-dessus de la poutre, t'as dit, il tombe pas dans le mucus, d'accord. Donc faut pas tomber. Je pense qu'il y a vraiment aucune. Mais du coup, genre. Ok, mais comment ça croupit? Ne tombe pas? D'accord, ok. Donc nous, on passe en dessous, théoriquement. Enfin, comment. Ok, donc clic gauche et shift, c'est pareil. À mon avis, ça va s'accélérer, mais alors d'une force. J'ai failli tomber déjà! Alors attends, je connais une technique de suédois. Alors attends, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ouais, pas mal. Dégage-toi. Ah, mais il me tient! Mais il me tient! Mais il me tient! Mais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas bien. Ouais, pas mal. J'ai fait un retour, je sais pas, oui, ça, il a pas de pote. Il doit pas être en plein écran. Qualifié! Qualifié pour la cinquième manche, ok. Tous les gugus sont tombés, ça allait vite. Donc, ok, pas trop mal. Pas mal, Tom Fury, abonnez-vous pour ça. Voilà. Et bientôt un top 10. Hey, franchement. Hein? On n'est plus que 14. 14 qualifiés. On en est à la cinquième étape. C'est une première. Et ça me rassure parce que ça fait plus d'une heure que j'essaie de faire une vidéo et que j'y arrivais pas. Parce que pour une vidéo découverte, normalement, une fois que tu as montré un peu de gameplay, c'est bien. Mais on sort un minimum qualitatif, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je n'ai pas eu le temps de lire en fait. Évite les fausses dalles et trouve le chemin caché pour atteindre. Oh, 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 oh. Un des mineurs, magnifique. On va essayer de se. Ok, donc là on est vraiment plus nombreux. Hein. Donc là, il y en a 6 qui vont être éliminables. Ok, ok. Ok, ok. Ouais, ok, ok. Bah, en fait, tout est faux en fait. Ok, bah, tout est totalement faux. Ok, bah, mon personnage ne saute même plus. D'accord, ok. Ok, donc apparemment il n'y a qu'un seul chemin là-bas. Allez, je vais laisser passer les mecs.
Les bâtards. Ouais, c'est clairement un grand retard en fait. Ah ouais, d'accord, ça se remet en normal, donc ça veut dire. Ah rien, on peut pas sauter! Comment ça se fait qu'on peut pas sauter? Bon, je vais pas me faire éliminer sur ça quand même. Ça serait quand même bête. Ah, ici éliminé. Bon. Bah, j'aurais pas pu faire plus, en tout cas. 14ème, bah, je sais pas, ouais. Je suis tombé, on peut dire top 14, voilà, top 14. Donc, je vais m'en arrêter ici. Je vous dis de vous abonner, un petit commentaire, un pouce bleu, partagez sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitch, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et... Banzai !